Étienne, Saint-Forien, Kalala, Banandaï. Tefe du peuple, RD Congo. Mesdames et messieurs, bonjour ou bonsoir. Bandeko, Bayimboka, Botenabino, Banso. Wanogwa Penzi, Wanainchi Ote, Nawasalimi Yanini. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, veuillez suivre les infos de chez nous avec la RTNC. C'est un extrait. Alors, le nouveau Premier ministre visite ses nouveaux bureaux avec l'ancien Premier ministre Ilunga Ilunkamba. Et puis, le projet Chute Katende reprend. Donc, il y a de l'espoir pour les Kasaïens en matière d'électricité. Umela président Nangaï, Umela papa Tshisekedi, Umela, 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 Umela papa Nangayo. Mon président Chilombo. Raisi wewe tu ni number one. Tshisekedi Chilombo. Raisi wewe tu ni number one. Mon président Chilombo. Raisi wewe tu ni number one. Félix Chilombo. Number one, number one, my number one. Waheshimiwa, karibu kwetu, kwetu Bukavu. Wa baba, wa mama, wa kaka, wa dada, tunawapenda, tunawajali. Tunasema karibu, karibu Bukavu. Ni muji mzuri, tunawakaribisha. Kuna hewa nzuri na watu wazuri. Karibu kwetu Bukavu. Mon président Chilombo. Raisi wetu ni number one. Tshisekedi Chilombo. Raisi wetu ni number one. Mon président Chilombo. Raisi wetu ni number one. Félix Tshilombo. Number one, number one, my number one. Échanges commerciaux entre les deux pays vont à coup sûr connaître l'accroissement. On en parle également dans ce journal. Mesdames, Messieurs, c'est avec beaucoup de plaisir que je vous présente les 20 heures soir actualité. Bienvenue à tous. La France apporte son soutien au système de santé africain et l'accès équitable aux vaccins contre la COVID-19. Ces deux points ont figuré à l'ordre du jour de la séance de travail qu'a eu le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, président en exercice de l'Union africaine, séance de travail à laquelle a pris part le panel de l'Union africaine et le président français, Emmanuel Macron. Séance de travail avec le panel de l'Union africaine. L'accès équitable aux vaccins contre la COVID-19 et les soutiens de la France au système de santé africain, tel est le sujet à l'ordre du jour de la réunion du bureau de la conférence de l'Union africaine ce mercredi 17 février avec la participation du président français Emmanuel Macron qui veut s'enquérir de la situation de l'Afrique avant les sommets du G7. Par visioconférence, les présidents en exercice de l'Union africaine, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Chilombo a fait son mot d'ouverture, suivi de l'état des lieux de la situation par les présidents de la Commission Moussa Faki Mahamat, le président sud-africain Cyril Ramaphosa, intervient à son tour sur la réponse africaine à la COVID-19. Félix Tshisekedi, président de l'Union africaine, revient pour conclure les travaux. Pour rappel, le chef de l'État congolais, Félix Tshisekedi, a pris officiellement ses fonctions le samedi 6 février à Addis Abeba, en Éthiopie, siège de l'Union africaine.
Tête à tête entre le Premier ministre sortant avec le nouveau chef du gouvernement aujourd'hui à l'immeuble intelligent, les deux personnalités qui se préparent à une cérémonie des remises-reprises ont eu d'abord échangé en privé avant de visiter les installations que va occuper Jean-Michel Samaloukonde. Françoise Boulabouaki et Pompom. Le nouveau locataire de l'avenue Roi Baudouin sera aussi le nouvel occupant du dernier niveau de l'immeuble du gouvernement réservé au Premier ministre. Le chef du gouvernement sortant, Ilunga Ilunkamba, a commencé le travail de passation de pouvoir. Tout d'abord, ce tête-à-tête entre les deux hommes d'État qui se préparent à la traditionnelle cérémonie de remise-reprise. Ensuite, le prof a conduit le tour du propriétaire pour celui à qui il va bientôt céder le fauteuil. La salle des conseils des ministres que Jean-Michel Samaloukonde doit maîtriser. La grande salle servant de banquet et toutes les autres pièces importantes de l'étage pour finir sur la terrasse qui donne une meilleure vue de la commune de la Gombe. Âgé de 43 ans, le nouveau chef de l'exécutif central vient remplacer un aîné de 73 ans qui depuis sa jeunesse a donné sa vie à la République. Une visite qui prépare les équipes des deux partis à la grande cérémonie. Une enquête sur le baromètre économique indique un optimisme des hommes d'affaires sur la bonne tenue économique des résultats annoncés par le vice-premier ministre, ministre du Plan, à l'issue de la réunion du comité conjoncture. Françoise Boulabouaki. Premier contact entre le Premier ministre et le président de l'Assemblée nationale a permis à Christophe Mbosoko Diapwanga de dire de vive voix tous les biens qu'il pense de l'avènement de Jean-Michel Samaloukonde Kingi. Le prochain gouvernement que le président de la Chambre basse du Parlement qualifie déjà de combat doit travailler à l'éradication de l'insécurité à l'Est et de la corruption, sans oublier la promotion de la gratuité de l'enseignement. Je suis venu féliciter le premier ministre du premier gouvernement de l'Union sacrée. Le chef de l'État lui a témoigné confiance et nous, honorables députés, président de l'Assemblée nationale, mon devoir est celui de venir le saluer, l'encourager. Nous devons l'aider pour qu'il forme le gouvernement, parce que le peuple congolais attend que le gouvernement se mette au travail pour trouver des solutions aux problèmes qui se posent dans nos populations. Le vœu le plus ardent du président de l'Assemblée nationale est de voir le peuple congolais apporter son soutien total au gouvernement de l'Union sacrée de la nation. Vous avez suivi Mbosoko Diapwanga, président de l'Assemblée nationale, qui est allé présenter les félicitations au tout nouveau Premier ministre récemment nommé avant de le recevoir à l'Assemblée nationale où il viendra déposer le programme de son prochain gouvernement. Mise en œuvre d'un projet d'infrastructure routière entre la République démocratique du Congo et la Zambie, le lancement de travaux de construction sera fait d'ici juin 2021. Je l'ai dit à l'ouverture de ce journal, l'entreprise chinoise pour l'exécution de travaux a fait l'annonce au ministre de tutelle, Erudis Kitout nous en parle. Après signature du document portant accord de finalisation du projet de construction de la route reliant Kasomeno en République démocratique du Congo et Mwenda en Zambie, l'heure est à l'exécution du dit projet. JED Africa, l'entreprise exécutant ce projet en accord avec le ministère des Infrastructures, son représentant, rassure les autorités congolaises quant au respect de l'accord signé. Nos équipes se sont rencontrées au mois de décembre dernier en Afrique du Sud. Et nous nous sommes convenus sur certains points, notamment un calendrier qui avait été adopté et qui enfin a été adopté par les deux gouvernements la semaine passée ici à Kinshasa, le gouvernement zambien et congolais. Le monsieur l'État général a confirmé effectivement que le financement est là, mais que la société a déjà, en ce moment où nous parlons, commencé à installer le bureau de Lubumbashi. Il va également aussi voir la possibilité d'ouvrir notre bureau de liaison à Kinshasa, mais aussi à Kasenga pour faciliter les transports de la logistique et tout le reste. Nous allons ouvrir un compte et que le directeur général est venu avec toute la documentation nécessaire
pour ouvrir un compte avec l'Union africaine du Congo. Et les fonds du management dans la partie congolaise seront logés ici en RDC dans une banque locale. Tel qu'il est convenu, les travaux doivent être lancés au plus tard le 30 juin 2021. Une délégation congolaise séjourne actuellement en Zambie. Dans le cadre de ce projet, elle sera reçue par le président zambien. Message de félicitations du comité fédéral Saint-Pierre-Kinshasa, son excellence, monsieur le premier ministre Samalo Koundé-Kiengé, monsieur le premier ministre, le comité fédéral de l'association socio-culturelle Saint-Pierre, ville province de Kinshasa, regroupant tous les ressortissants de la province du Haut-Katanga, vous adresse au nom de tous les Haut-Katangais vivant à Kinshasa. Ces très vives félicitations à l'occasion de votre nomination aux hautes fonctions de premier ministre, ministre chef du gouvernement de la République démocratique du Congo, qui est le Seigneur Tout-Puissant, Dieu de nos ancêtres, puisse vous accorder la sagesse de Salomon et le courage de David pour mener à bon port les nouvelles et très hautes responsabilités. Aussi, le comité fédéral Saint-Pierre-Kinshasa remercie sincèrement le président de la République, chef de l'État, son Excellence Monsieur Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour avoir accordé sa confiance au digne fils de sa communauté pour présider à la destinée du gouvernement de l'Union sacrée pour la nation qui incarne les espoirs de toute la population congolaise. Il rend enfin grâce à Dieu, le maître de temps et des circonstances, pour avoir rendu possible cet heureux événement. L'école reprend le 22 février prochain, c'est officiel. Le syndicaliste du secteur de l'EPST milite pour la prise en compte des mesures barrières lors de la rentrée des classes et pour éviter la contamination de la COVID-19. Par la même occasion, il félicite le chef de l'État qui a décidé cette reprise. Anastasie Dombo. Les syndicats des enseignants du Congo SIECO s'engagent comme un seul homme pour travailler main dans la main au bénéfice de la jeunesse congolaise et des enseignants. D'une seule voix, les syndicalistes de l'EPST soutiennent le chef de l'État pour la reprise des cours annoncée le 22 février prochain. Par ailleurs, ils encouragent les autorités sanitaires à donner les moyens qu'il faut pour l'observance des mesures préventives contre la COVID-19. Concernant notre lutte contre la COVID-19 dans les milieux scolaires, nous vous prions d'ordonner des investigations sur l'affectation des fonds y alloués. Car nous constatons que sur le terrain, les élèves comme les agents commis à l'éducation courent un danger dû à COVID-19 par manque de logistique concordant aux besoins. Du reste, ils émettent le vœu de voir les nouveaux chefs du gouvernement tenir compte de la problématique du système éducatif congolais et de l'acteur, donc l'enseignant lui-même. C'est cela la voie cardinale. C'est le seul moyen de relever le secteur de l'éducation en République démocratique du Congo afin de favoriser la paix sociale. Les primes du personnel de régie financière seront payées, mais suivant la procédure et les principes, propos du vice-premier ministre, ministre du budget Jean-Baudouin Maillot à la délégation syndicale de ces régies financières, nous dit Cédric Kenina. Tout doit se faire dans l'orthodoxie budgétaire et dans le respect des normes. Pas assez savant pour comprendre la disponibilité du vice-premier ministre, ministre du budget Jean-Baudouin Maillot Mambéki, à liquider les primes du personnel des services mobilisateurs de recettes, notamment les régies financières. Cependant, Jean-Baudouin Maillot ne voit pas une rubrique réservée dans la loi des finances à cet engagement du ministère des Finances. Il a rassuré tout de même la délégation syndicale des régies financières sur le fait que tout sera fait dans le respect des procédures et non la charrue avant les bœufs. Le vice-premier ministre et ministre du budget nous a dit ceci, que lui ne s'oppose pas à payer cette prime qui est légitime du reste, parce que ce n'est pas normal que ceux qui mobilisent les recettes soient mal payés par rapport à ceux qui ne font que dépenser. Mais seulement, il nous demande que nous puissions rentrer aux finances pour que le ministre de Finances puisse lui dire, il va payer, mais il va prendre l'argent dans quelle rubrique. Les portes du ministère du budget resteront ouvertes pour accueillir les préoccupations des mobilisateurs de recettes.
Message de félicitations à son Excellence Monsieur Jean-Michel Sabalokonde Kyenge, Premier ministre. Excellence Monsieur le Premier ministre, à l'occasion de votre nomination par son Excellence Monsieur le Président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo en qualité de Premier ministre, chef du gouvernement de la République, nous avons l'honneur au nom du personnel de la géante société minière de Bakwanga, Miba SA, et au mien propre, vous présenter nos sincères félicitations pour le choix judicieux porté sur votre auguste personne. Comme l'élévation vient de l'Éternel, nous vous recommandons dans l'exercice de vos nouvelles fonctions entre ses très saintes mains et prions qu'il vous dote de sa sagesse et son intelligence afin que vous mettiez en brio vos lourdes fonctions d'État. D'ores et déjà, la direction générale compte sur votre implication personnelle pour la relance effective des activités de la MIBA, jadis poumon économique de la province du Kasaï, du Grand Kasaï et pourtant de la et partant de la République démocratique du Congo. Le communiqué porte la signature de Boukoussa Moudiaï, directeur général. Un autre message de félicitations, mais cette fois-ci, Monsieur le Président de la République, chef de l'État et président de l'Union africaine, Son Excellence Monsieur Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Il vient de la Direction générale des impôts. À l'occasion de votre investiture et prise officielle des fonctions en qualité de président en exercice de l'Union africaine, la haute direction et l'ensemble du personnel de la direction général des impôts vous présente leurs vives félicitations et vous souhaite un fructueux mandat à la tête de cette organisation continentale. Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, votre élévation en cette année 2021 marquant ainsi un tournant décisif de votre mandat à la tête de notre pays n'est pas un fait du hasard, mais plutôt un destin voulu par Dieu que vous servez. La Direction générale des impôts, en tant que service mobilisateur de recettes nécessaire au développement du pays, reste confiante et rassurante de votre vision nationale et panafricaine de la renaissance d'une Afrique au service du bien-être de son peuple et implore la grâce du Seigneur pour qu'il vous dote de sa sagesse et de son intelligence afin que votre mandat soit couronné de succès malgré la crise économique mondiale causée par la pandémie du coronavirus. Ça porte la signature de Barnabé Mouakadi Mwamba. La course à la candidature au siège non permanent du Conseil de sécurité de l'ONU, la Suisse sollicite le soutien de la République démocratique du Congo. Son ambassadeur en poste à Kinshasa l'a dit à la ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, Marie Toumbanzeza. Reçu ce mardi 16 février par la ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, Marie Toumbanzeza, Roger Denzer, ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire des Suisses en République démocratique du Congo, est venu solliciter le soutien de la République démocratique du Congo à la candidature de la Suisse au siège non permanent du Conseil de sécurité de l'ONU, et cela pour la période 2023-2024. Les deux personnalités ont aussi abordé les dossiers et entrées à l'Union africaine et différents accords. Roger Denzer a en outre indiqué que son pays va soutenir les mandats de la République démocratique du Congo en ce qui concerne la zone de libre-échange au niveau du continent africain, soulignant l'importance du commerce pour la population afin de créer des revenus pour les différents pays africains. Cette séance maintenant était très importante pour la Suisse parce qu'on a présenté la candidature de la Suisse pour le siège non permanent au Conseil de sécurité des Nations Unies pour la période 23-24. Dans ce sens-là, la Suisse a demandé si la RDC peut soutenir cette candidature. La Suisse a des liaisons très fortes avec l'Union africaine et surtout aussi, par exemple, au niveau de la paix et sécurité, c'est avoir aussi avec terre les armes, hein, une des priorités du monsieur le président pour l'Union africaine de cette année. C'est en 2022 que se dérouleront les élections pour les sièges non permanents du Conseil de sécurité de l'ONU.
C'est une première en République démocratique du Congo. 500 PME vont recevoir leurs subventions dans le cadre d'un projet d'appui au développement de micro, petites et moyennes entreprises. La remise officielle aura lieu ce vendredi 19 février 2021 en présence du ministre de tutelle Justin Kalumba Mwanangongo. David Moubeng. Vendredi 19 février prochain, c'est dans exactement 2 jours, si je m'avise, une première dans le secteur des classes moyennes, petites et moyennes entreprises et artisans. Ça sera la publication de la liste des PME lauréates, mais pour dire mieux, on va dire des plans d'affaires qui ont été retenus à l'issue d'un concours extrêmement transparent des plans d'affaires qui a été organisé selon les règles de l'art, et nous aurons le privilège et même la joie de voir près de 500 PME établies à Kinshasa, à Matadi, à Lubumbashi et à Goma. En ce qui concerne la hauteur du financement, tout le monde sait que c'est un financement d'exactement 100 millions de dollars qui a été apporté à notre pays, ce financement, par la Banque mondiale, partenaire au développement de la RDC. La fin de la mission d'inspection pour la relance du grand projet KTND a été sanctionnée par une réunion d'évaluation avec l'équipe du ministère de Ressources hydrauliques et électricité à Lubumbashi, dans le Grand Katanga, tenue par le vice-ministre Papi Pungu. Après le travail d'identification et de tri au site Grand Katende à Kananga et de quelques outils entreposés au terminal conteneur de la SNCC et de la société Bolloré à Lubumbashi, une réunion d'évaluation a mis autour d'une même table le vice-ministre en charge des ressources hydrauliques et électricité, Papi Pungu Luamba, et l'équipe technique en mission sur la relance du grand projet Katende à Lubumbashi. Il faudra à présent redéfinir une nouvelle feuille de route afin de présenter un portefeuille conséquent à la réalité vécue sur terrain. Le vice-ministre Papi Pungu Luamba a encouragé les experts pour le travail abattu visant le redémarrage de travaux dans les délais. Nous sommes très préoccupés à pouvoir réaliser ces projets. Il en va du crédit du gouvernement, il en va aussi de la responsabilité du gouvernement vis-à-vis des promesses faites à la population du Kasaï. Nous venons de faire une réunion d'évaluation par rapport à cette mission. En ce qui concerne les responsabilités du gouvernement quant à la relance de négociations telles que convenues dans notre accord avec le gouvernement indien, nous allons le faire et commencer le plus tôt possible. Et au niveau du gouvernement aussi, nous tâcherons d'en parler au Premier ministre ainsi qu'aux collègues ministres des Finances pour que la partie qui concerne la maintenance, l'entretien du site où doit être entreposés les équipements de ces grands barrages, que ces moyens soient dégagés et permettre à ce que tout ce qui est à Lubumbashi, ici dans l'entrepôt de la SNCC, puisse arriver sur le site, tout comme les équipements qui sont en Écotrans ainsi qu'à Bolloré. Juste après la réunion, les experts ont effectué une descente à travers autres sociétés d'entreposage où sont gardés les outils consacrés au projet, et c'est dans le but de pouvoir les acheminer au site. Message de félicitations du Bureau central de coordination au nom du comité de pilotage de la direction générale et l'ensemble de son personnel. Le Bureau central de coordination, BCECO, présente ses vives et chaleureuses félicitations à son Excellence M. Jean-Michel Samolokonde Kiengé pour sa nomination aux fonctions du Premier ministre chef du gouvernement de la République démocratique du Congo. Le BCECO saisit cette opportunité pour vous renouveler son engagement à demeurer un outil indispensable du gouvernement dans sa conception, exécution et réalisation avec succès de projets de développement intégral de notre pays. Puisse l'Éternel, notre Dieu, couronner votre mandat de réussite dans l'accomplissement de la mission vous confiée par son Excellence, Monsieur le Président de la République démocratique du Congo, Théophile Matondo Mbungu, directeur
général. Message de félicitations du groupement politique Alliance pour l'avenir AA-A en sigle à son Excellence Jean-Michel Samalukonde, Premier ministre chef du gouvernement de la République démocratique du Congo. Excellence, Monsieur le Premier ministre, à l'occasion de votre nomination en date du 15 février 2021 par son Excellence Monsieur le Président de la République, chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo au poste du Premier ministre de la République démocratique du Congo, notre beau et grand pays, j'ai l'honneur de vous présenter en mon nom notre regroupement politique, l'Alliance pour l'avenir en sigle dont j'assume la présidence intérimaire et au mien propre. Nos sincères chaleureuses félicitations par la même occasion, les regroupements politiques AAA vous souhaite un fructueux mandat à la tête du gouvernement et sollicite du très haut toutes les bénédictions célestes afin qu'il vous assiste dans la lourde mission vous confiée afin notamment de répondre aux besoins urgents du peuple congolais. Les regroupements politiques Alliance pour l'avenir soutient votre ferme volonté ouvertement affichée de former un gouvernement composé des femmes et des hommes de bonne moralité pour l'intérêt supérieur de notre pays. Que Dieu Tout-Puissant de la République démocratique du Congo et son peuple vous bénisse. Fête à Kinshasa, 16 février 2021 pour le regroupement politique AAA Marie Nyangwe. Jardin scolaire, 1 milliard d'arbres à l'horizon 2023. Ce projet du chef de l'État pour la lutte contre le réchauffement climatique va commencer dans les provinces. Le ministre de l'Environnement, Claude Nyamugabo, a entamé la tournée par la province du Nord Kivu. Lopez Kakuba. À Goma, dans la province du Nord Kivu, le ministre de l'Environnement et Développement Durable, Maître Claude Nyamugabo Baziboué, qu'accompagnait le directeur général du Fonds forestier national, Honoré Moulumba Kalala, a échangé avec l'archevêque de Goma, Monseigneur Willy Ngumbi, sur le projet du chef de l'État intitulé « Jardin scolaire, 1 milliard d'arbres d'ici 2023 ». Est-ce que nous connaissons le rôle que joue l'Église dans l'éducation dans notre pays ? Et le rôle de l'Église, spécialement dans la protection de l'environnement, étant donné que le pape lui-même est très engagé dans la protection de l'environnement, et les évêques qui les représentent dans notre pays sont également très, très impliqués. La CENCO, j'ai rencontré les responsables à Kinshasa, est très impliquée. Je suis en mission officielle au nord et au sud Kivu. J'ai bien voulu rencontrer Monseigneur pour solliciter son implication, mais aussi nous sommes au courant du réseau catholique des écoles et j'ai sollicité que Monseigneur s'implique également pour que ce programme que le président veut réaliser avec les jeunes le soit à travers les élèves qui constituent une grande jeunesse au Nord Kivu. Par la suite, le ministre de l'Environnement a échangé avec le chef des confessions religieuses et tant d'autres personnalités, toujours sur l'importance de l'arbre, tout en sensibilisant sur le projet Jardin scolaire 1 milliard d'arbres d'ici 2023. La prison centrale de Bukavu dans le sud Kivu sera délocalisée. Une nouvelle prison sera construite ailleurs. Le projet a été présenté au vice-ministre de la Justice, Bernard Takaïché. Un projet qui vaut tout son pesant d'or, avance le ministre provincial de la Justice du Sud Kivu, Jospin Bitafoua Moukono, souligne que la délocalisation de cette prison érigée en plein centre-ville de Bukavu pourra épargner la population du danger permanent. Nous avons trouvé que la prison centrale de Bukavu, du point de vue sécuritaire, c'est une prison qui expose la population à des dangers éventuels, surtout en cas d'évasion. Le partenaire est déjà disponible et il accepte de travailler selon les dispositions qui lui seront soumises par le gouvernement, quel que soit national et provincial. Les bienfaiteurs et partenaires, c'est cet homme de Dieu, pasteur Bahati Chamanga. Il dit faire quelque chose de spécial pour soulager tant soit peu les détenus. Ravi de ce projet, le patron de la justice congolaise a recommandé que des études minutieuses soient menées afin que la nouvelle prison soit construite selon les normes et standards internationaux.
La Corée du Sud va apporter son soutien à la mission du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, reçue par le chef de la maison civile du chef de l'État, l'ambassadeur de Corée, Kim Kyeong-jo, a annoncé cette volonté de son pays d'accompagner le chef de l'État indépendant. Le chef de la maison civile du chef de l'État, Dr Bruno Miteyo, a échangé avec l'ambassadeur du Corée, M. Kim Kyeong-jo, ce mercredi du 7 février 2021. Cette visite entre dans le cadre des échanges initiés par le chef de la maison civile avec différents diplomates en vue de faciliter la population qui est la famille naturelle du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, l'accès aux services sociaux des bases. Les diplomates coréens a émis le vœu de voir la coopération entre la République démocratique du Congo et la Corée s'est raffermir davantage pour le bien-être du peuple congolais. Oh yes, I had a very good discussion. J'ai eu une très bonne discussion avec le chef de la maison civile en ce qui concerne notre partenariat bilatéral, comment nous pouvons faciliter nos échanges et nos soutiens. Le chef de la maison civile et moi-même, nous nous attendons à une plus grande collaboration pour le gain de nos deux peuples. La COVID-19 est un danger ou est un ennemi commun à l'humanité entière. En tant que tel, nous sommes plus que prêts à collaborer avec nos partenaires congolais. Et jusque-là, nous avons déjà fourni 300 000 dollars de matériel. Et après cela, nous allons encore apporter un soutien de 500 000 dollars de matériel. Le chef de la maison civile a souligné les priorités. Et c'est d'abord l'éducation, la santé et l'hygiène et bien d'autres secteurs aussi. La possibilité de renforcer la coopération dans les domaines des infrastructures communautaires et celui de l'entrepreneuriat féminin a été aussi abordée par le chef de la maison civile, Dr Bruno Miteyo. Vers une coopération dans le secteur médiatique entre l'ACP et les agences de presse de la Fédération de Russie, retombée d'une séance de travail qui a mis autour d'une même table le président du conseil d'administration, le directeur de l'ACP et les diplomates russes. Reportage. Ce contact entre les directeurs généraux de l'agence congolaise de presse ACP et l'ambassadeur de la Fédération de Russie accrédité à Kinshasa augure de le lendemain meilleur. Les deux parties, à travers leurs échanges, ont mis l'accent sur la coopération dans les secteurs médiatiques. Coopération, dans les jours à venir, va permettre à l'ACP de tirer profit, notamment en termes de renforcement de capacité de son personnel sur les nouvelles technologies de l'information pour une meilleure prestation dans un monde médiatique aujourd'hui concurrentiel. Et surtout permettre à l'ACP, grâce à la coopération toujours avec la Fédération de Russie, très avancée techniquement, de bénéficier d'un certain nombre d'équipements pour améliorer sa production. Le problème que nous avons maintenant, c'est la méconnaissance de la RDC en Russie et de la Russie en RDC. Et c'est à nous de changer cette situation et de créer les conditions pour que les Congolais puissent avoir plus d'informations sur mon pays et pourquoi pas à travers des bulletins de l'agence congolaise de presse. Les directeurs généraux de l'ACP, Lambert Kaboy, à ses côtés la présidente du conseil d'administration Muriel Nicole Dibambou, salue la marque de collaboration entre Kinshasa et Moscou. Son Excellence Monsieur l'ambassadeur, nous lui avons expliqué les problèmes de l'ACP qui constitue la logistique. Et l'ambassadeur était très perceptible. Il a promis de se mettre sur ces dossiers là-bas et que ces dossiers puissent trouver une solution. Mais avant ces contacts fructueux, les responsables du média d'État a fait visiter les diplomates russes, les différentes structures qui composent son institution, entre autres la rédaction, la salle d'infographie, les services de documentation et celui des archives. Le FPI félicite son Excellence le Premier ministre Sam Alukonde à l'occasion de votre nomination au poste de Premier ministre, le conseil d'administration de la direction et le personnel du fonds de promotion industrielle FPI
vous présentent leurs sincères félicitations ainsi que leurs vœux ardents de réussite dans la réalisation de votre lourde mission. Qu'il vous plaise de considérer, Excellence, Monsieur le Premier ministre, en cette heureuse circonstance, l'attachement du Fonds de promotion de l'industrie qui, dans sa vision, voudrait accompagner le gouvernement pour faire de l'économie congolaise une économie émergente à l'horizon 2030, fondée sur un tissu industriel diversifié, intégré et compétitif, tourné vers la satisfaction des besoins intérieurs et extérieurs et s'appuyant sur le développement harmonieux de chaînes des valeurs dans tous les 145 territoires de la République démocratique du Congo. Les conseils d'administration de la direction générale et le personnel du Fonds de promotion de l'industrie saisissent cette occasion pour vous rassurer de leur ferme détermination pour apporter leur contribution à la reconstruction du pays, à la création d'emplois et à la mise en œuvre de la politique du gouvernement de la République en ce qui concerne notamment le développement de l'entrepreneuriat féminin et l'accompagnement des jeunes. Puisse le Seigneur notre Dieu.